Salut les loulous, c'est Soma! Aujourd'hui, on se retrouve pour le 34e épisode de nos aventures sur Final Fantasy VII, le remake. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, on va reprendre la trame scénaristique principale, hein, vu qu'on n'arrive pas à trouver la dernière quête qui nous manque et on n'arrive pas à trouver la dernière cache de Cornéo. J'arrive pas à retourner là où je veux aller. Donc, tant pis. On va faire sans, hein, on n'a pas le choix. Et donc du coup bah je me suis juste déplacé juste devant chez Cornéo. Voilà, comme ça plus qu'à aller le rejoindre. Vu que je dois aller chercher des infos chez lui. Y a personne. Ouais. Je suis pas allé censé aller derrière là. Qu'est-ce qu'il y avait là derrière? Ah, il y a un coffre. Ok. Pourquoi pas un anneau de furie. Ok, il y a des petites cachotteries. On va aller à l'étage. Mais je crois pas que... Là, de toute façon, on peut pas. Si je loupe les escaliers. Ah! Alors là-haut. Là-haut, là-haut. Ça doit être ici. Ah, voilà. C'est encore vous? Qu'est-ce que vous voulez? Pour tout avouer, on cherche un moyen d'aller sur le plateau. On s'est dit que Cornéo en connaissait peut-être un. D'accord, je vois. C'est peut-être lui qui va nous aider. J'en connais un moi aussi. Ah bah voilà. T'es sérieux? Dis-nous ce que c'est. Venez par ici. On va voir ce qu'il nous propose. Ok. Allez. On va voir le deal. Une échelle. Tiens donc. Oh, descendre dans les égouts. Qu'est-ce que c'est que ce grand trou? J'ai un truc à régler en bas. Si vous acceptez de me donner un coup de main, je vous expliquerai le moyen d'aller sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est bien les égouts, non? Qu'est-ce que tu veux y faire? Cornéo a un repère secret. Il faut que j'y aille. J'espère que t'es pas en train d'essayer de nous tendre un piège. Si c'est ce que vous croyez, tant pis. Je trouverai bien quelqu'un d'autre pour m'aider. Et vous irez chercher ailleurs un moyen d'aller là-haut. Bon, d'accord. On va t'aider. T'es sûr, Cloud? S'il nous trahit, je le tue. J'y vois aucun problème. On compte sur toi. Je vous en dirai plus quand on sera en bas. J'espère que vous êtes prêts. On y va quand vous voulez. Ok, donc normalement à partir de maintenant, hein, je pense pas que je pourrais revenir en arrière. C'est pour ça que j'ai fait dans l'épisode précédent deux sauvegardes. Vous êtes prêts? Voilà, il nous demande de valider, hein, donc... Bon, alors on descend. Et c'est quoi ce trou au juste? C'est un piège destiné aux intrus. Hein? Personne n'en est revenu vivant. Enfin, jusqu'à ce que vous y alliez en tout cas. Ouais, enfin on a eu quand même une sacrée bestiole à affronter, hein, pour mémoire, qui s'est enfuie, en plus on l'a pas tué, hein, donc... On va voir ça. Ah, je suis un peu déçu, hein, de ne pas pouvoir vous montrer la quête manquante et la finalité de la quête de Cornéo, surtout que... Enfin, des cachets de Cornéo. Surtout que la troisième, enfin, c'est celle que j'ai en tête. Hein. Il y avait aussi un paquet de trucs à l'intérieur. Hein. C'est là où il y avait l'espèce d'usine, là, où on avait fait des quêtes au début du jeu. Et normalement, c'était dans le secteur 5 qui s'est effondré. Donc... Voilà. Ah.
On n'a pas changé de chapitre encore. Peut-être que techniquement donc, c'est encore tu faisable. Je vais vous expliquer le moyen d'aller sur le plateau. Si vous remplissez votre part du marché. Va pas t'imaginer que t'as gagné ma confiance. Si je soupçonne la moindre entourloupe de ta part, tu vas te retrouver transformé en passoire. Il faut vraiment que je fasse à apprendre à barrer de sa compétence, là, que je lui remette son arme de distance, parce que ça grouille de bêtes l'arme de corps à corps, elle est sympa, si mais il sent plus. Quoi. Ce serait vraiment risqué. Mais vous, vous devriez en faire qu'une bouchée, pas vrai? Ouais, enfin, on va se calmer quand même. Réglons ça rapidement. D'ailleurs, faut que je revérifie ça. Donc, il était passé par ce mur, hein. Donc, équipement. Arrête. Voilà, boulet de canon. Il faut que absolument que j'apprenne canon pilon, là. Je l'ai fait qu'une fois et ça va pas du tout. Donc, c'est parti. Allez. Il faut aller au Grand Canal, à la limite avec le secteur 7. Passez devant, s'il vous plaît. Moi, je vais vous suivre, un peu à distance. Eh, bien sûr. Alors là... Par là, y a rien. Ouais, en fait, on refait le même chemin que la dernière fois. Ça, c'est un coffre. Aucun challenge. On pourrait se battre les yeux bandés. Je vais t'en mettre plein la vue. J'arrive. J'ai un truc pour toi. Je vais toutes les mettre en plein dans le vide. Très chiant, hein, lui. Très très chiant, ce mob-là. Tu vas t'en manger une bonne dose. Ok. Attends, non, c'est pas par là. Il doit y avoir une échelle quelque part, ici. Alors ensuite, on part par là. Bon, on va pas se régénérer. Ensuite, il faut aller à par là. Hein. Ok. Ah ok, j'ai tout le monde qui dort. Tout va bien. Il est faible à quoi lui? Au feu. Allons-y avec le feu. Ça va chauffer. Voilà. Attaque. Tu te débrouilles vraiment okay. Bien. Ça t'embouche un coin. On l'enchaîne. C'est trop facile. Alors t'énerve pas. Prends ça. C'est la glace. Concentre-toi. Ok, c'est parti. J'arrive. C'est le moment. J'arrive. Oh,
coriaces les ennemis ici. Ouais ouais. Qui est morte, super. Fais attention. Ça va faire mal. Eh ben, on est mal en point. Alors, il faut que je monte par là. Ouais, on peut faire mieux que ça. Et je peux pas. Il faut passer par là. Attendez. Comment on va là? Alors ça c'est la meilleure. Ok, bon on va aller se régénérer. Parce que les combats. Aïe 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 hein. Je l'avais dit que c'était pas facile. Monte ici toi. Et puis, bah, je sais pas comment avancer. Alors attendez, il y a un truc que j'ai dû louper, hein, une échelle ou une connerie. On y retourne. Il y a forcément quelque chose. Hein. Ah, les ennemis qui sont réapparus. Ah, mais ça me saoule en fait. À s'en aller là. Bah, fuite. Y a pas une échelle quelque part? Y a forcément un truc, non? Ah voilà. Ok. J'avais pas pris la première fois. Ou alors j'étais pas venu ici. Très
bien, on remonte là. On part par là. Le signe d'avalanche, ça doit être lié à cette clé que Jesse avait fait faire à Biggs une fois. J'aurais vraiment aimé pouvoir leur dire qu'elle nous a servi. Tifa. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Désolé de vous interrompre comme ça, mais il faut passer par cette porte pour aller au canal que nous cherchons. C'est bon, on le sait! Ah oui, alors du coup... Voilà, on est arrivé. Par ici, il y a une porte avec l'emblème de Cornéo dessus dans les environs. Ah bah... Ce serait pas ce que j'ai besoin là? Mais j'ai pas souvenir que c'était ici. Hein. La porte est déjà ouverte. Avant, c'était bien fermé ici. Je vous laisse sécuriser les lieux, d'accord? Ouais. Eddie, j'ai une question. Lors de l'audition, pourquoi est-ce que t'es venu nous aider, au juste? Parce qu'Andy me l'avait demandé. Seulement pour ça? J'étais pas prêt à prendre autant de risques que vous. Hein? Allez, dépêchez d'avancer. Alors, il y a encore des crabes devant. Ouais, chouette. Ça sera pas long. Je vais mettre la gomme. À l'attaque. On va faire ça. Ok, super. C'est fini pour toi. C'était couru d'avance. Ok, donc on est arrivé de par là. Et on doit aller où là? On doit aller là. Attends. La cachette de Cornéo est très proche. Je préfère passer devant à partir d'ici. Ouais. Bizarre ton truc, toi. Ah, musique. Ok, on va prendre ça. On va se reposer, bien sûr. C'est pareil les musiques, je me demande où j'en suis dans la collection. On a pas mal avancé hein, depuis qu'il y a eu l'effondrement. Mais je pense qu'il en manque encore quelques-unes quand même. C'est là. Ouais. Et ce moyen d'aller sur le plateau? C'est là-dedans. Et qu'est-ce que t'attends pour entrer? Désolé, mais j'ai encore un peu besoin de vous. Oh. C'est la version miniature? Non, pas ça. Attends! Faut l'attraper. Mais... C'est très important. Il a pris la clé de la porte. Allons-y. Ouais, bah... On se calme. Donc je sens qu'on va affronter... Il y a le bébé, je sens qu'on va affronter la il maman. Il tourner au coin. Faut le rapprocher. Terminé. Allez, te préserver. Ok, un coffre ici. Allons-y, j'arrêterai tout. Quoi? Vas-y, essaye. J'arrive. Ah. Je vais t'en mettre plein la vue.
je suis en train de me faire mais massacrer. Ok, stop, 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 stop. On se calme. Prends ça. C'est pas fini. J'arrive. Méga potion sur Cloud. Et je me fais mais défoncer par les mobs là. Clairement. C'est chiant, je suis transformé en... C'est pas le moment. Répète pas si facilement. Je vais toutes les mettre en plein dans le mille. Je suis en mode panique, j'ai plus de PV. Désolé, mais j'ai pas le choix. Pareil, t'as perdu connaissance. Faut que je lui. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ces mobs? Ah, sérieusement quoi? C'est de ma faute. Ils sont sensibles à quoi, au feu? À go, hein, parce que on va pas y arriver, hein. Non! Sérieusement! Mais non! Oh là là! Ça se présente mal. Et? Qu'est-ce que j'ai fait? Cloud a perdu connaissance. J'avais encore tant de choses à faire. J'y crois pas. Un simple combat? Non mais. Un simple combat, je me fais mais déboîter quoi. Non mais ils sont trop chiants eux. Hein. Ah faut vraiment que j'en focus un avec des sorts de feu et là c'est infaisable. Ah il y a des combats, c'est hallucinant quoi. J'ai pas le temps, j'ai pas, je peux pas faire des actions avec les persos, transformé en grenouille, oh là 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 là, c'est. Je compte sur vous. Bon, on focus le A, hein, clairement. Ça. On va lui mettre un ça. Ça va chauffer. C'est le moment d'en finir. On refait un feu. Ok, je suis en grenouille. Ouais, aucun problème. C'est parti. Ça va faire mal. On fait canot pilon. Tu vas craquer de m'avoir provoqué. Voilà. Adieu. Prends ça. On refait un canon pilon. Voilà, quand on est un peu plus. Et on en refait un. Voilà. Waouh. Alors on va se soigner. Barrette. Tu vas faire ça. Toujours Barrette. Tu vas faire sur Tifa. Voilà. Allez. Où est-ce qu'il est passé ce petit voleur? En haut. Ça va vraiment être compliqué maintenant. Je vais arriver où là? À partir d'ici, on entre sur leur territoire. Ces créatures peuvent nous sauter dessus à tout moment. Restons sur nos gardes. Si on a un coffre. Il y en a un là. Ah, il y en avait un là. Ensemble, on peut tout affronter. Je suis enchaîné. J'arrive.
fini. Mange-toi ça. Voilà. Il y en a un juste derrière. Après avoir couru, faut qu'on joue à cache-cache. C'est pas mieux. Cadeau pilon. Arrêtez de m'avoir provoqué. Prends ça. Tiens, truc pour toi. Cadeau pilon. T'envoler à l'autre bout de la planète. Ah, ça y est, technique apprise. Allez, à toi. Ok, c'est parti. Ça me va. J'arrive. Ok, donc on va rechanger l'arme de Barrette. Hein. Barrette, tu vas repasser avec ton gros canon. Voilà. Et d'ailleurs, il y a peut-être des choses à changer sur les armes, des choses à apprendre. Sinon, un petit attaque physique plus 10. Et ici, il faut 10. Ok. Ensuite, Tifa, tiens. 38 points. Ok, on a débloqué une nouvelle catégorie. Donc là, on a tout appris. Alors, attaque physique. Placement de matéria, placement de matéria. Elle en a 4. Dégâts additionnels de la matéria, affinité élémentaire. Remplissage de la jauge ATB plus 10%. C'est pas mal aussi. Mince, je me suis trompé. Pardon. Alors, remplissage de la jauge ATB. On va prendre ça. Et ensuite, il nous reste Cloud. Ah oui, une cinquième catégorie. Qu'est-ce qu'on a? ?28. Je vais prendre attaque physique et un emplacement de matéria. Avec une connexion surtout. Ça c'est pas mal. Ok. Du coup, on revient ici. Je pense que je vais mettre ma Felin. PC augmenté. Auto-soin. Attaque anticipée. Ça, je suis pas. Ah, bah si. L'analyse. Ah, je sais pas quoi mettre. Bah, je vais rien changer. Pour Barrette. Il reste bénéfice, remède encore à monter et soins. Et Tifa, résurrection, vent qui sont pas finis. Ok. Bon, pour l'instant, je change rien. Ouais, ouais. Ça, ça roule. Je dois aller par où là? Je dois aller par là. Il y a des caisses à casser. Il n'y a pas de coffre. Ah, il y a une matéria là. J'aurais pu la louper. Hein. Ah bah une bénéfice. On
fonce dans le tas. C'est ma spécialité. J'arrive. Ok, je suis en train de me faire défoncer. Ouais, faut que laisse-moi faire. Il est temps de faire un carton. Oh oh ah sur toi. Non, non. Je m'en occupe. C'est pas fini. Je suis prêt. Viens. À faire ça, je l'achève, voilà. J'arrive. Je me fais défoncer, hein, clairement. À mon tour. Faut que je fasse le sawajin là. C'est pas fini. Très bien. C'est fini pour toi. Y a pas de quoi être fier. Eh ben, je suis très très mal en point. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une autre porte. C'est tout ce qu'il y a ici. Alors, Barrette, tu vas nous faire ça. Difficile, hein. Franchement, pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Oh là 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 là. Ok, c'est bah y'a pas le choix. Hein. Je serai sans pitié. J'attendais que ça. Je rentrerai pas. Concentre-toi. Allez, je suis prête. Frappez maintenant. Et bam. C'est le moment. J'arrive. Tu peux pas m'enfuir. J'espère que ça te plaît. Oh là 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 là. Ok, on y va à fond. Et ça a rien. On va lui faire mal. Coute-moi ça. Prends ça. Et bam. Toute grâce. Il faut en le faire quoi pour enlever. Mais fais au magie de glace. Qui a la glace? Laisse-moi faire. Ouais, laisse-moi faire. Faites les volets. Et voilà, c'est plié. C'est vraiment la galère, hein. Je galère comme c'est pas permis, hein, pour les affronter. Alors ici on peut pas passer, donc on n'a pas le choix. Il ira pas plus loin, bien fait courir en tout cas. C'est promis, on te fera pas de mal. Alors reste où tu es. Ah. Bah oui, bah oui. Je vais gagner à tout prix. J'espère que ça te plaît.
Oh. Ah ouais, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Ah, attendez. Le Sawagin, c'est feu. Et il y a deux crabes. Oh là 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 là. Ça marchera pas. Prends ça. Tu vas cramer. C'est le moment d'en finir. Terminé. C'est pas fini. Prends ça. Waouh. Alors le 5 sur 12 là au niveau de l'avancée des contrats là, c'était quoi ça? Ah d'accord, c'est mes matérias qui arrivent à fond. Ok. Bon, par contre, je suis tellement mal en point. Il me faudrait des caisses à péter et regagner des PM. Mais c'est pas trop le cas. Si il y a un coffre de l'autre côté. Et je suis dans le caca. Barrette. T'es en train de me saouler, toi. À toujours fuir. D'accord. Pas question de le laisser filer. Je peux pas avancer plus vite. Oh là là. Quand est-ce qu'il rejoint sa maman? Parce que je suis convaincu qu'on va devoir réaffronter la mère. Hein. Mon père, j'en sais rien, mais. Il ressemble à son maître. Du coup, ici. Une paire de bottes protectrices, là-bas au fond. Ah, ben voilà la dernière cache de Cornéo. Par contre... Ah, faut que j'enlève la flotte, peut-être. C'était ça la quête dernière cache de Cornéo. Alors j'étais pas du tout à l'endroit qu'il fallait en fait. La flotte. Comment je l'enlève la flotte? Bonne question. Je peux pas apparemment. Ah. Ok, donc le truc est bien ici. Donc tout n'est pas perdu pour mes quêtes secondaires, mais par contre je vois pas comment comment y accéder. Parce qu'à première vue, il faut que j'arrive à enlever l'eau. Ah ah. Bon bah je pense qu'il faut que je continue. Il n'y a pas l'air d'avoir un mécanisme ici. Ok. Canalise. Sécurité. Alors, faiblesse au feu. Ok. Alors, le problème, c'est que feu, j'en ai plus beaucoup. Ah, il y en a d'autres.
Il y a trois rejetons. Attends, mangez une bonne dose. Tifa, tu vas faire un piqué du talon sur lui. Cloud, tu vas faire ça. Attendez, parce que là je suis en train de prendre un peu misère. On va faire une méga potion sur Barrett. Voilà. On va faire. Je vais reprendre le Cloud. Faire un sort de feu. Ah, j'ai plus de vie. Hein. Barrett, tu vas me faire à nouveau. Non, je suis pas au bon endroit. Colère. Il reste que le rejeton. J'ai pas dit que tu pouvais te reposer. Mange-toi ça. Objet méga phoenix. Alors Tifa la vie, je vais faire vie sur Cloud. Et Barrett il va faire à nouveau ça. Il va mourir. Voilà. On a réussi. Ok, donc pas la maman pour l'instant. Rends-le-moi. Mais quelle galère. C'est quoi? S'il te plaît. Un pendentif, mais oh. C'est ça ta clé. Désolé. Et j'imagine que c'est pas le tien, n'est-ce pas? C'est un souvenir de ta mère? J'ai pas de famille. On a poursuivi un beau rêve, un rêve précieux. La fiancée de Leslie. En langage des fleurs. Tu devrais m'oublier. Ça vaut mieux. C'est marrant qu'elle parle de langage des fleurs. Il y a 6 mois, après que Cornéo l'a choisie comme concubine, je ne l'ai plus jamais revue. Avant de partir, elle m'a rendu ça. Sympa, non? Il m'avait coûté une petite fortune. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Me venger. Je sais bien que ça la fera pas revenir. Mais si je saisis pas l'occasion, je sens que je le regretterai toute ma vie. Fais comme tu veux. Du moment qu'on peut aller sur le plateau, on te suit. T'inquiète pas. Je vous en fais la promesse.
marqué des points. Bon, alors du coup... Passons par ici, c'est un raccourci. Ok, mais... Alors, y'a rien ni... Ah. Pardon, je suis désolé. Je vais juste retourner voir là-bas, là, parce que... Y'a vraiment pas moyen de d'activer les machines, là. C'est bizarre, quand même. Pourquoi venir ici, avoir la dernière cache de la quête secondaire de Corneo, et pas pouvoir y accéder, en fait? C'est quoi l'idée? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Bah du coup les loulous, de toute façon on va se laisser là-dessus. Hein. On arrive à la fin, on est à la fin de cet épisode. En termes de timing. On va quand même aller ouvrir la porte, voir ce qui ça déclenche, mais... Ok. Ce salaud de Corneo, il perd rien pour attendre. Laisse-moi lui régler son compte. Hein? Ah! S'il vous plaît. Entendu. Ah, cool! Bah voilà! Alors on va finir ça quand même. Et on sauvegardera ici les loulous. Alors je vais juste prendre les caisses. Voilà. Et demi-tour. Faire ça là-bas. Ça a juste baissé le niveau de l'eau de la salle. Ok, alors ça c'était pas prévu. Faut que je me concentre sur un, hein. Mais le problème là c'est que... Je vais faire méga potion sur Barrette. Moi j'aimerais bien redevenir Cloud, merci. On va faire le A. Ça se présente mal. Oh là 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 là. J'attendais que ça. J'arrive. C'est pas fini. Sort soin sur Cloud. Courage. Aïe 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 aïe, on prend tellement cher. Si je faisais un petit vent sur le A juste pour voir en fait. Je te vois pas. Ouais, ça fait rien du tout. Je vais continuer à me battre. Tifa. Parti pour un tour. Il est où le A? Enfin, il est là. Ok, on va faire piquer du talon dessus de suite. Voilà, il est mort. Colère maximum. Donc là, j'étais sur le... Fini de jouer. Je peux pas. Ah, y'a un prince Sawagin. Ah ouais. Ça va chauffer. T'es foutu. Ça va faire mal. Dégage de là.
fait, il y a un boss. C'est pour ça que je galère. Alors. Colère maximale sur le prince. Ah, je peux pas. Ok. Colère maximale sur... On va essayer d'achever lui là. Et j'ai Cloud qui peut faire ça. Voilà. Je suis même pas foutu de protéger mes compagnons. Alors c'est bon là? On les a tous maintenant? Et du coup on fait quoi? Ça prendrait sûrement du temps de les vendre. J'ai une idée. On pourrait les confier à Merle si le but est d'aider les gens du secteur 7. Ouais. Mais du coup, faut que je les re-ramène là-bas? Je sais pas trop. Alors attendez les loulous, parce que du coup on est en train de sacrément dépasser le timing. Et donc la quête, il faut que je les ramène à Marle, effectivement. Ça, je sais pas comment faire ça en fait. Bon, en tout cas, dans tous les cas, on a réussi l'objectif. J'ai cassé toutes les caisses, j'ai récupéré les trésors. Donc on peut remonter là-haut. Parce que de toute façon, d'ici, je peux pas y aller. Et il m'a pas proposé de me TP, jeu. Je suis un peu coincé. Pour l'instant, en tout cas. Et donc, du coup, les loulous, bah, on va sauvegarder ici. Devant l'échelle, là. Voilà. Donc bah moi j'espère que cet épisode de... Donc 34e épisode de Final Fantasy VII le remake vous aura plu. Et puis bah je vous dis à la prochaine les loulous. Allez, ciao tout le monde.